Eh bien bonjour et bienvenue les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Subnautica, notre aventure continue. Donc lors de notre dernière aventure, je vous ai abandonné alors que nous étions sur le point de rentrer à notre base. Je vous ai épargné un petit peu le trajet, je vous ai épargné aussi un petit peu le fait, pour tout simplement le temps que je me crafte un petit peu de bouteilles d'eau. Parce que j'avais soif. Donc de retour à notre base, on va tout simplement déjà positionner notre... On va utiliser notre analyseur de fragments pour faire analyser... Ah oui, puis on en a 3 en plus, regardez, tac, tac. 3, ça devrait aller assez vite. Donc on a trouvé du quartz, évidemment, on a trouvé de l'or, on a trouvé du diamant, et on a trouvé du cristal d'oxyde d'aluminium. Donc c'est un thermoconducteur et électroconducteur. Donc ça peut être intéressant, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça va être certainement très intéressant. Oh regarde, ça va vite. Oh là 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 là, très très bien. Ici je pense que c'est pas plein, mais pas loin. Ok, donc c'est quand même le bordel dans ma chambre. J'ai pas rangé ma chambre, voilà, ça se voit. Alors on va poser tout ça. Pour l'instant je n'en ai pas besoin. Les bouteilles d'eau, je vais en garder une. Ah, hop. Alors ici, qu'est-ce que j'avais? Encore des tas de trucs. Bon, on a un petit peu de matos quand même. Alors fragment, tac tac tac, 94. Alors il me faudrait du titane aussi. Est-ce que j'ai... Oh regardez, ça y est, la nouvelle technologie est acquise. Alors ce qu'on va faire, déjà je vais crafter mon titane. Hop, là voici ce que en fait je me... l'idée de faire une base là-bas, une base avancée encore dans une autre direction, me paraît pas si nul que ça. Alors c'est quoi le craft? Non, tout ça on connaît. Je vois. Ah si ça. Chambre d'immersion, salle d'amarrage. Ah ouais, salle d'amarrage. Schéma, ok, 4 lingots de titane, 4 lubrifiants, kit de câblage. Oh là là, ouais, ce serait pas mal ça. Mais alors, est-ce qu'on se mettrait pas là-haut? Oh, notre base ici, elle me paraît bien centralisée, notre base ici. Ce serait peut-être pas mal, ah, je sais pas. Ah, ça me branche bien ça. Schéma de chambre d'immersion, lingots de titane. Bon, lingots de titane, en même temps, je pense que... On en a pas, hein, ça, je crois, des lingots de titane. Il faut plein de titane. On va se faire des lingots de titane. On va essayer de se faire ce truc là. J'ai une petite idée de ce que ça peut être. Je sais pas si c'est ça. J'ai pas de titane en fait. Je pensais en avoir des tonnes. Bon, en même temps, c'est pas le truc le plus dur à ramasser. Je me demande, vous savez, si c'est pas les chambres d'immersion, si ce serait pas les... les salles comme ça, mais où il y a un trou avec de l'eau, où il y a l'eau au milieu en fait, pour pouvoir rentrer avec son sous-marin. Alors je sais pas si c'est peut-être pas le sous-marin, peut-être plus le Simoff, ouais, j'ai pas beaucoup de quartz. Hein. Du quartz, du fer. On va aller chercher de la ferraille. Donc, je me demande si c'est pas ça quand même. Alors mon Simoff, vous voyez, donc il est quand même un petit peu en piteux état. Hein. Il commence à souffrir, il a du mal, mais bon. C'est pas grave. Alors on va aller par où pour aller chercher du métal. Parce que j'ai plus de batterie. Hein. Dans mon Simoff, je suis quasiment à sec de batterie. Donc là, j'ai pas le choix. Faut que j'y aille la bonne vieille méthode. Hein. Alors on va essayer de trouver de la ferraille. Hop, là, en veux-tu, en voilà. Alors la nuit, évidemment, ça va être encore un peu plus compliqué. Mais bon, on va chercher. Évidemment, il fallait qu'il fasse nuit. Mais c'est parce que je ne cherche pas de quartz. C'est pour ça. Bon, il y a des petits poissons. C'est quoi ça? Ah, je crois que c'était les poissons et les vieilles saloperies. Voilà, bah, évidemment, du quartz. Hein. Allez, il y en a là. Ramasse pas, ça va pas servir à grand chose. Viens là, il semble en avoir vu un bout là peut-être, non? Oui. Voilà. Voilà, un petit fragment. Mais alors je dois passer toujours à côté du même. Le quartz, ça m'ennuie de passer à côté de pas le prendre. Euh,
Allez, un peu de fer. Oula, 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 oula. Hop, hein, patati patata. Inventaire plein déjà, et ouais. Ouais, 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 c'est qu'avec toutes mes bouteilles d'oxygène et tout le tout team. Alors, il y en a pas mal par ici. Hein. Ok, donc on va aller par là. Il y en a finalement encore dans ce coin-là. Après, c'est agréable de pouvoir rester sous l'eau aussi longtemps. C'est quand même pas désagréable. Allez, nage, mon petit, nage! Nage aussi vite que tu peux! Ah là 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 là. Ouais, ouais, ouais. Donc ce serait peut-être... Notre base ici, je trouve, est pas mal située, parce qu'on est quand même à proximité de pas mal de biomes. Mais... Je m'approcherai bien quand même de la base là-bas. Allez, on va se faire du titane en pagaille. Tac. Allez. Hop. Hop. Alors, on peut déjà faire peut-être quoi? Un lingot ou deux, je ne sais pas. Peut-être deux. Ok. Deux lingots. Il nous en faut... 4 je crois. Hein. Ouais, 4 lingots quand même. Hein. C'est pas mal. C'est assez important. Allez, on va poser tout notre matos. Est-ce que j'ai de la place? Alors, on va poser... Est-ce que je pose ça? Oh, allez, je vais le poser pour l'instant. Allez, je le pose. Je vais poser mes deux lingots. Puis je pose aussi... Alors, haute capacité. Ils sont tous haute capacité, en fait. Si je l'enlève, je perds quoi, moi? Ah, j'ai pas de place. Non. J'ai même pas de place. Bon, bah écoutez, on y retourne. Allez, on y retourne. Hop, là. Hop, qu'est-ce que j'ai enlevé? Mon fusil à stase. J'ai gardé mon fusil à stase. Ouais, j'aurais pu le poser aussi, remarquez. Oh, voilà. Hop, hein. Se cache, ouais, mais ça comme il se cache, fusil à stase, on en a assez. Hein. Allez, de la ferraille, de la ferraille, donnez-moi de la ferraille, allez, c'est Louis la brocante aujourd'hui. Allez, hop hop hop. Alors, la ferraille, faut pas tout que j'enlève, hein, parce qu'il faut que j'en laisse quand même pour les rôdeurs, pour qu'ils puissent s'arracher les dents, parce que j'ai l'impression que les rôdeurs, ils... En fait, la ferraille, ça, c'est ce qui me permet de récupérer leurs dents. Mais alors lui, il est mort, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Il me semble pas, ou je m'en souviens peut-être pas. Moi, je crois qu'on l'avait vu aussi. Bon, bon, bon. Allez. Ah, mais j'ai faim en même temps, je pourrais prendre un ou deux poissons. Hop. Hop là, regardez-moi ça, les trucs que j'adore, vous savez, les petits quêtes. Tiens, c'est pas une... Ah non, je crois que c'était une saloperie. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, hop là. Ok. Il y en a encore un peu ici. Voilà, hop, qu'est-ce qu'il me reste comme place? Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, ça prend 4, ça va pas rentrer du coup, dans ce sens-là, je sais pas. Il me reste bien 4 places, mais est-ce que ça va tenir? Pop, pop, pam. Il y a du sel. Ah non, non, vous allez me foutre la paix, vous vous dégagez. Je vous aime pas, vous m'aimez pas, ça tombe bien. C'est quoi ça? Terraformer, on sent là le terraformer. Tiens, viens toi. Je vais te manger. Tant pis. Voilà, je vais te manger parce que... bah parce que c'est comme ça. Eh oui. Viens là, bécasse. Eh, viens, mais... Arrête de tourner. J'ai mal. J'ai mal au cœur, je vais vomir. Où il est? Attendez, il s'est caché dans ma... Il s'est caché dans ma combinaison. Sors de là. Les mains en l'air. Mais viens là. Non mais attendez, vous m'entendez cliquer? Ah. Eh non mais... C'est qui le patron?
Alors, on a encore un petit peu de fer, du coup, on est pas mal. Allez, tiens, là, on n'a plus de place quasiment. On va prendre des petites saloperies comme ça, voilà. Parce qu'on en aura toujours besoin, quand même. Tiens, toi, t'es marrant. Hop, ah bah, je t'ai loupé. Alors, toi. Voilà. Alors, la base numéro 1, elle est donc par ici. À voir, j'ai pas besoin de reprendre du corail, là. Base numéro 1. Ah bon, c'est quand même pas mal baladé, voilà, je peux même pas... Oh, il y a des poches d'eau, il y a du... Oh là 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 là, je peux pas, je suis plein. Il faudrait un... je sais pas, il faudrait que je puisse domestiquer un lamantin, vous voyez, les espèces de gros trucs, là. Il faudrait que je puisse en domestiquer un, qu'on lui accroche, qu'on lui crafte une espèce de chariot derrière, et qu'il puisse m'emmener, me transporter mes petites trouvailles. Mais je crois que ça, c'est pas prévu. C'est bien dommage. Hein. C'est bien dommage. Alors souvenez-vous quand même au début du jeu, hein, au début de l'aventure, j'avais déjà du mal à gérer la nourriture, mes besoins primaires, mes besoins de base. J'avais du mal à gérer mon timing pour me faire à manger, pour boire, limite pour respirer. Donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, on a une station complète quasiment à gérer. On a un sous-marin à équiper, on a un Simov qui est en piteux état, là, qui a des fuites, qu'il faut qu'on répare. Et voyez que la gestion, du coup, se complique naturellement toute seule. Mais on n'a pas peur, on y va. Et il faut pas oublier non plus qu'en plus, on est sur une planète qui est absolument amicale, puisque la moitié des habitants veut juste nous bouffer. Allez. Si on pouvait se faire nos 4 lingots de titane, ce serait quand même sympa. Ok, on a nos 4 lingots de titane. On peut être fiers de nous déjà. C'est pas mal. On va se cuire notre petit poisson là. Allez. Hop. Viens là mon petit. Enfin mon petit, il a l'air quand même énorme. Hein. On va les manger tout de suite. Tac, tac, ça c'est bon. On va boire un petit coup. J'ai encore un spat fish. Pop, pop, pop. On va le cuire. On va le manger. Bon allez, j'ai envie de faire ça. Voilà. Hop. Et on va le bouffer. Voilà. On a donc nos 4 lingots de titane. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il faut des lubrifiants. Là, les lubrifiants, je crois que c'est les petites billes. J'en ai pas vu ici, il me semble. J'en ai pas ici. J'en ai pas là. Et j'en ai évidemment pas ici, on est d'accord. Voilà, non plus lubrifiant. Et après, il me faudrait un kit de câblage avancé, c'est ça, non? Un kit de câblage avancé, ça c'est la partie un petit peu plus pénible, parce qu'il me faut un circuit intégré et de l'or. Le circuit intégré, c'est de l'argent et du corail plat. L'argent va-t-il me faire défaut? J'en avais. Corail plat, j'en ai un là. L'argent, c'est pas quelque chose que j'ai eu en grosse quantité, l'argent. Ah, où est-ce qu'on trouve de l'argent? Est-ce que j'en ai pas dans mon sous-marin? L'argent me fera peut-être plus défaut que le reste, vous voyez. Bon, je vais aller me chercher les lubrifiants, je vais passer faire un petit tour par mon sous-marin, voir si toutefois je n'aurais pas laissé dans mes petites armoires de l'argent. J'ai du lithium, j'ai du diamant, j'ai de la magnétite, de l'uranium. Non mais j'ai de quoi faire une centrale nucléaire. Hein. Mais j'ai pas d'argent. J'ai du corail plat par contre. Voilà. J'ai aussi un lubrifiant. On va le prendre. Mais c'est tout. Hop là. Hop tac. J'ai un lubrifiant. On va aller se chercher du lubrifiant. C'est par où? Je sais plus. C'est par là. On va aller se chercher de quoi faire les lubrifiants. Et ce qui va vraiment me faire défaut, c'est l'argent. L'argent, je ne sais pas dans quel biome on le trouve. Tiens, bah, je vais aller là. Pop, pop, pop. Le cuivre, c'était dans les trucs rouges. Par contre... Oui, c'est bon, il y en a assez. Pop, pop, pop. L'argent, est-ce que ce serait pas dans le biome rouge aussi, hein? Je sais pas. Je ne sais pas. On va aller fouiller de toute façon. Hop. Là.
Alors, lubrifiant, c'est où? C'est ici. On va en faire. Hop, un. Il m'en faut 3 du coup. Non, combien il en fallait? Je sais plus. C'était 2 lubrifiants. Alors, 4 lubrifiants. Ah, j'en aurais peut-être pas assez du coup. Eh ben ouais, il m'en manque une. Allez, on va rechercher. C'était par ici. Hop. Allez, on va manger un peu de raisin. Voilà. Alors ce jeu, finalement, me fait penser un petit peu au film Solo, qui est sorti avec Matt, je crois que c'est Matt Damon, il me semble, hein, que j'ai pas encore vu, mais que je vais aller voir. Hein, mais apparemment, d'après le petit morceau que j'ai vu, la petite bande-annonce, ça paraît à peu près similaire. Hein, sauf que, bon, bah lui, le pauvre, atterrit sur Mars, sur une planète évidemment désolée, et il va devoir... survivre avec les maigres ressources dont il dispose, ben on est un petit peu dans le même cas de figure. Allez, hop, voilà, on a donc nos lubrifiants. Ok, il va donc nous manquer le kit de câblage avancé. Et pour le kit de câblage avancé, on avait donc quasiment tout. Parce que l'or, on l'a, le circuit intégré. Donc voilà, il manque juste le minerai d'argent. Le minerai d'argent, j'en ai vraiment pas. Hein. J'ai pas le choix, il faut aller chercher du minerai d'argent. Allez. Est-ce que je tenterai pas d'aller dans le rouge, là, les herbes rouges? Est-ce que je tente là-bas? Mon Simov, il a quoi comme batterie là? Parce que là je vais. Pff, 5%, c'est pas la peine. Bah, je vais tenter. Je sais pas, là il y avait toutes les sales bestioles hein, qui vont essayer de me bouffer. Mais il nous faut de l'argent. Là-dedans il n'y en avait pas. Hein. C'est pas un biome où il y a. Ah mais il y a de l'or ici aussi. Ben, vous y croyez, ça doit y a peut-être de l'argent. Argent, non, vous rendez compte, on a trouvé de l'argent. Eh ben voilà. Il en fallait qu'un. Voilà, bah écoutez, il n'y avait qu'à demander en fait. Passez commande, 3615 code, besoin de quoi que ce soit. Hop. Jean-Michel, j'ai du bol. Alors. Le circuit intégré, bah bam. Ok, avec ça on va se... il faut de l'or, l'or. Bon, de l'or, je dois en avoir un petit peu partout. Voilà. Hop, kit de câblage avancé. Bam, on va récupérer du coup nos lingots. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'était le contraire. Il nous faut nos 4 lingots. Voilà. Et logiquement, est-ce qu'on a tout? Je sais plus, je sais pas. Voyons. Et on a tout pour se faire notre chambre d'immersion. Ce qui est plutôt une super bonne nouvelle, sachant que, honnêtement, je sais pas si je la fais. Oh si, on est pas mal ici quand même. On est pas mal. Mais où est-ce que je la ferai? C'est une chambre d'immersion. Si c'est ce que je pense, il faut qu'il y ait rien en dessous. Là, on est d'accord. On va donc essayer de se faire ça. Ah oui, c'est balèze, regardez. Ah, les pieds, ils peuvent pas grandir. C'est-à-dire que je peux pas la poser, par exemple, à côté, et puis les pieds, ils vont pousser jusqu'au sol. Non. Il faudrait qu'elle soit... On voit pas grand-chose. Alors, est-ce que je me mettrais pas plus bas ici? Ah. Pardon, c'est moi, encore. Est-ce que vous croyez que je pourrais pas la mettre... Ah, je vois rien du tout en fait. Pop. Ah, je suis en stress. Est-ce que je défoncerai pas ma base ici? Parce qu'elle est sur pied. Donc si elle est sur pied, je peux peut-être tenter de défoncer ma base. Oh, je sais pas. Je vais défoncer cette base là. Allez, celle-là je la défonce. Et on regarde ce qu'on fait. De toute façon, celle-ci, je m'en sers pas pour l'instant. Allez, demande mon titane. Allez, bam. Pop. Alors, est-ce que je peux la construire ici? Voilà. Il y a une écoutille aussi là-dessus. Ah, mais si, regardez, il y a bien un trou. Il y a une écoutille dessus, je crois. Alors, je la crafte là et on regarde. Et si ça va pas, de toute façon, on démantèle, hein, on a l'habitude. Tac. Allez, 63%. Allez, on y va. Ouais. Bah, regardez. Alors, comment elle s'est installée? Elle s'est installée, j'ai envie de dire. Non, les pieds sont ancrés dans le sol.
Ah ouais, regardez, chouette. Ah ouais. Est-ce que je peux passer par en haut? Voilà, comment ça se passe? Bah non, en haut, c'est ridicule. Je viens de dire, je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie mais énorme. Ah bah oui, on va ouvrir le. On va ouvrir par le haut, évidemment. Alors, ouais, on grimpe aux échelles. Oh, c'est génial. Oh, génial. Alors, on va prendre notre. Oh, bonjour, oui. Ah putain, alors là par contre la manœuvre. Ah putain, allez voir. Non, ça marche pas. Ah, il se passe rien du tout en fait. Pourquoi ça marche pas? Il me le prend pas mon truc. Ah, c'est Pulsimov ou pas? Ah, puissance 0. Ok, il me faut de l'énergie. Mais bon, ça, on s'en fout. Mais on a quand même fait un truc génial. Ah, oh, je suis trop content. On a un vrai truc qui a de la gueule là. Allez. On va piquer une petite tête. C'est génial. Ah, là, on est vraiment en train de. Là, on est vraiment en train de prendre du galon. Hein. Est-ce qu'on peut aussi se faire du coup. Comment je fais là? Si je veux me faire un coude là, est-ce que ça peut faire quelque chose là? Si je me fais un coude, c'était quoi boule tournée? Comme ça? Non. Attendez, voir. Ouais. Est-ce que si je me fais un truc comme ça. Ah, je tente. Hein. Là, je fais des tests. Et si. Et si est-ce que je peux pas me refaire du coup un autre coup de là? Non, là ça me servira que dalle. Ouais. Ah non, il y va pas. Hein. Un T. Si je me fais un T, qu'est-ce que j'ai? Voilà, voilà. Et ma vidéo va encore dépasser des 20 minutes. Ah là là là, ça va encore être le bordel. Si je me fais du coup un T. Est-ce que c'est. Ouais, mais là, du coup, ça me sert toujours à rien. Ah, purée. Alors. Ah, ça m'agace. Ou alors, si je le fais d'ici, de derrière. Ouais, 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 attendez. Ok, on va peut-être... Alors, celui-ci, toi, je te démembre. Allez, viens. Allez, c'est parti. Ok. Ensuite, on va faire donc un virage, là. Ici, on va se le mettre là, dans l'autre sens. Ah, oh, ça va pas aller encore. Ben, de toute façon, là, je vois pas comment je peux faire. Je ne sais pas. Bon, ben, je sais pas. Bon, ben, vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, il manque pas grand-chose. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis très content d'avoir réussi à faire cette chambre d'immersion. Je pense qu'on va pouvoir faire des trucs encore terribles. Ah bah ouais, ça vous fait une ouverture. On va pouvoir faire vraiment des choses terribles à partir d'ici, je pense. Mais on verra ça lors de notre prochaine vidéo. Donc en attendant, eh bien les amis, je vous dis à tous et à toutes une très très bonne journée. Profitez-en, il fait beau, c'est pas encore l'hiver. Donc bah, profitons-en. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bonne journée et au revoir.